Oh bébé Zeus, oh les bébés, on est bien ici à sa maison, hein, avec le feu juste devant. Oh là là, oh là 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 là, oh là là, oh là là, bébé Zeus, avec ta petite dent là. Héra, les là, Héra. Attendez, hop là, elle est là, Héra. Héra. Hop. Non, bébé Zeus. Oh, bébé Zeus. Oh, petit bébé Zeus. Oh là là. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce samedi 9 novembre? Je vous prends très tard les amis, très très tard, mais vous allez savoir pourquoi, j'ai été très 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 occupée aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors déjà, on va partir du début, comme d'habitude, j'ai passé une sale nuit. Alors au début, j'avais bien dormi, j'ai dormi quoi, peut-être 2 heures, non? Quand je suis montée, il était quelle heure? 11h? Avant? Ah ouais? Bon, bah il était un petit peu avant que 23h. Et toi, t'es montée vers 1h30. Bah t'es montée à quelle heure? Non, t'es montée à 1h. Si. Bon, en fait, il montait très tard. Et en fait, j'ai été réveillée. Pas que lui, il m'a réveillée. Hein. Mais bon, j'ai senti une présence, quoi. Donc, je me réveille. et après, plus moyen de me rendormir. Du coup, je suis descendue. J'ai mangé un morceau de pain avec du fromage. J'ai fait du grignotage. J'ai bu. Alors ça, c'est une chose que je... Enfin, que je devrais pas faire, mais j'ai pas le choix parce que... Attends, toi, avant de couper mon pain. Il veut couper mon pain. Parce qu'après, je bois la nuit et que je devrais pas, quoi. Bon, ça va. Aujourd'hui, j'ai pas trop bu. Mais j'ai quand même bu, ça sent les mails, quoi. J'ai déjà fait mon quota. Donc, j'étais couchée, il était 3h30 à peu près. Et je me suis levée à 9h45. Ouais, pas loin de 10h. Donc franchement, j'ai bien dormi, entre guillemets. Hein, parce qu'on dort toujours mieux sur le matin. Du coup, je me suis réveillée. J'ai préparé le petit déjeuner. De toute façon, vous avez vu hein, toutes les photos avant que je vous ai mis. C'est tout ce que j'ai fait sur le matin. Donc, j'ai fait le petit déjeuner. Ensuite, je me suis déjà mise en cuisine. J'ai fait le goûter. J'ai fait le repas. J'ai fait de la vaisselle. J'ai fait du linge. J'ai fait quoi encore? De la soupe. Le pain. Après, j'ai fait quoi? L'aspirateur. J'ai lavé mes draps. Bah, le linge, quoi. J'ai pendu le linge, j'ai plié le linge. Oui, parce que j'avais un mont comme ça, du linge de Vincent. Donc, j'ai tout fait. Tu vas manger ça maintenant alors qu'on va souper? Du grignotage, quoi. On va manger du pâté avec du pain. Alors, bah, je vais vous montrer le pain, du coup, avant. Hein. Voilà. Mon pain. Il sent bon, hein. Très, très bon, hein, comme d'habitude. Hein. Puis, vous avez entendu le croustillant, là. Donc là, aujourd'hui... D'habitude, je fais un pain entre 500 et 600 grammes. Là, j'ai fait un pain de 700 grammes. Voilà. Comme ça, je suis tranquille, même demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, écoutez, ça a passé tellement vite. Hein. J'en ai eu pour l'après-midi aussi, de toute façon. Hein, parce qu'après, bah, je fais du pain, après, il faut faire la vaisselle. Je fais le goûter, il faut faire la vaisselle. J'ai préparé le repas, il faut faire la vaisselle. J'ai préparé la soupe, il fallait refaire la vaisselle. J'ai fait que ça aujourd'hui. Bon, au moins, tout est fait parce qu'en fait, j'ai fait de la soupe parce que j'avais des légumes qui commençaient déjà à s'abîmer et il fallait les faire partir. Donc, j'ai fait une petite soupe. Comme ça, on prendra ça pour toute la semaine, si on en a jusqu'à la semaine. Mais ça sera pour une petite entrée. Donc, on prendra à chaque fois une petite tasse et ce sera très bien. Et puis là, pour ce soir, le repas, je vous ai fait montrer, hein, j'ai fait mes boulettes de viande avec de l'oignon, de l'ail. Je voulais du persil, mais j'en avais pas. Et quand je voulais aller à Grand Frais, c'était trop tard. Ensuite, j'ai coupé mes poivrons. En fait, j'ai fait un genre oriental
avec tous les épices orientales. J'ai mis des tomates pelées. J'ai mis les poivrons et j'ai mis du céleri. Et avec ça, je vais servir avec du boulgour. Donc ça, c'est pour ce soir. Entre deux, nous sommes partis chez Amélie parce qu'on devait lui faire un petit travaux, on va dire. Et du coup, on a été l'aider. Enfin, plus les mecs que nous. Hein. Moi et Amélie, on regardait la fin de la Starac. C'est un petit travail. Oui, c'est un petit travail. J'ai dit quoi? Petit travaux. Ouais, petit travail. Et c'est mon deuxième professeur de français. Parce que Julien, elle est occupée, donc il prend la relève. Mais lui aussi, des fois, il ne sait pas parler. Du coup, on s'entraide comme ça. Hein? Et du coup, moi et Amélie, on était dans le canapé. On regardait la fin de la Starac pendant que ces monsieur faisaient le travail. Ensuite, on est parti chez Lidl parce qu'il me fallait des petites choses pour pas que je sors demain. Mais je pense que demain, je devrais sortir parce que Julie, elle m'avait demandé du raisin goût barba papa chez Grand Fré. Mais quand j'ai voulu passer, il était 19h déjà. Parce que là, il faut savoir qu'il est 19h35. Ensuite, du coup, je vais vous faire montrer ce que j'ai pris chez Lidl. Et il me faudra des gourmandises aussi pour les chiens. Donc, je vais les prendre chez Intermarché. Les briquises, vous savez, les petits biscuits ovales, là. Un genre de petit tonneau, là. Donc, je vais faire ça. Ça boue déjà? Ouais. Eh ben, tu peux mettre le boulgour dedans. Si ça boue bien, hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Ok. Et du coup, après, j'ai nettoyé aussi, j'ai oublié, tous mes... comment ça s'appelle ça? Mes appareils d'huile essentielle, vous savez, les diffuseurs. J'en avais deux, donc j'ai tout nettoyé avec la petite brosse à dents et tout. Alors, j'avais plus de... l'anti-calcaire. Et même pour mon lavabo, tout ça, j'en avais plus. Enfin, pour ma robinetterie, quoi. Et ben franchement, les amis, j'ai utilisé... comment on appelle ça? Du liquide de rinçage pour la vaisselle. Et ben franchement, c'est nickel chrome. Un petit conseil, essayez. Et en plus, ça sent super bon. Donc maintenant, je pense que je vais utiliser que ça. Voilà. Ensuite, du coup, on a été chez Lidl après qu'on est parti de chez Amélie. Amélie, elle m'a donné des poireaux de son jardin. Alors, Quentin me les a coupés, nettoyés. Alors, ils sont petits. Hein. Alors, moi, je lui ai dit... C'est quoi qui est tombé? Ah. Moi, je vais les faire en vinaigrette parce que j'adore ça. Regardez. Donc, elle m'en a donné pas mal quand même. Hein. Regardez. Un petit filet, là. Donc, je vais les préparer après. Je veux bien les couper, puis les mettre dans le frigo. Oui, et puis, du coup, on est parti chez Lidl parce qu'il me fallait du pain de mie. Parce que je me suis mis un paquet de pain de mie dans la tronche. Parce qu'il m'en reste un paquet. Et comme on en prend pour moi, l'hôpital, et lui, pour le travail le matin, pour déjeuner. Donc, on se prend maintenant des petits croques, monsieur, et franchement, on se régale. Moi, je me régale. Depuis que je prends ça pour le petit déjeuner, franchement, puis après, j'ai plus... Dans le matin, j'ai pas faim. Bien sûr, le midi, si, hein, bien évidemment. Je voulais les petites tranches de jambon, mais il n'y en avait plus. Du coup, je serai obligée d'y aller demain. Tout compte fait. Ça, fais attention, ça boue là-bas. Parce que viens pas salir le gaz. Hein. Parce que j'ai tout nettoyé aujourd'hui. Hein. Et mélange bien pour pas que ça colle. Hein. Ouais. Ou ouais, après j'ai une bonne casserole hein, de toute façon. Et surveille les boulettes. Hein. Parce que je l'ai mis à 2, je crois, non? Si c'est trop, tu le mets à 1,5. Ensuite, j'ai pris les mentales râpées. Hein. Alors, il est plus cher chez Lidl. J'ai regardé les prix par rapport à l'Eco Plus de chez Leclerc. Donc, je vais le prendre chez Leclerc maintenant. Je prendrai pas mal de paquets. Quand j'en prendrai chez Lidl, ça sera vraiment en... dépannage. Voilà, en dépannage. Je cherche mes mots. Et c'est normal, je suis fatiguée, les amis. Je vais bien dormir ce soir, je pense.
Voilà, donc j'ai pris deux paquets. Hein, parce que, en fait, moi, j'en mets dans mon croc, bien évidemment. Et moi, j'en mets au-dessus. Et je me régale. Et j'adore ça. J'ai pris des gambas. Il y avait moins 25%. Donc, je l'ai pris pour Julie et puis pour nous, bien évidemment, aussi. Hein. 5,24€ au lieu de 6,99€. Et il y a 500 grammes. J'ai voulu vous prendre. J'ai repris des œufs parce que, comme je vous le dis à chaque fois, nous les œufs à la maison, ça part à une vitesse incroyable. Et là, demain, non pas demain, lundi, je dois faire des chouquettes pour Amélie. Pour elle, mardi, le travail, pour je vous en avais parlé, hein, pour le Téléthon. Donc lundi, je vais lui faire ça. Donc il faut des œufs, hein, parce qu'il faut pas mal de chouquettes quand même. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Bah, je sais plus. C'est cher, hein. Ouais, c'est cher. Après, j'ai pris une boisson riche en protéines, saveur chocolat, pour Julie. C'est faible en matière grasse et faible en sucre, mais c'est protéiné à 35 grammes. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne, tout ça, hein. J'y connais rien du tout. Donc, je ne sais pas. Il y a 350 grammes. Donc, ça, c'est pour Julie. Et je lui ai pris des crèmes dessert. Saveur chocolat. Donc là, pareil. Hein. Il y a 12,5 grammes de protéines par pot. Et c'est faible en matière grasse. Hein. Voilà. Donc, je lui ai pris ça. Et j'ai pris des oranges à jus. Parce que ce matin, j'ai galéré à faire du jus d'orange. Parce que ben, j'ai des oranges, mais c'est pas à jus, c'est un dessert. Donc, il n'y a pas de jus dedans. Hein. Et du coup, j'ai pris quelques clémentines pour faire un jus. Bon, j'ai fait qu'un verre. Et je peux vous dire que j'en ai pas vu la couleur. Quand j'ai préparé le petit... Ah, il rigole. Hein. Ah ouais, ouais. Quand j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai mis tout de son côté. J'ai dit, bon, il va boire son petit jus et il va m'en laisser quand même. Non mais, 3 gouttes. Alors, il restait 3 gouttes dans le verre. Je lui dis, bah, t'as tout bu. Je lui dis, tu m'en as pas laissé. Ah bah, pourquoi t'en voulais? Bah, quand même. Ah bah, je sais pas, il dit, tu l'as pas dit. Donc, j'ai pris les 3 gouttes. J'ai juste mouillé la langue. Hein? Il m'a laissé 3 gouttes. Et puis, j'ai pris une limonade. Voilà, j'avais envie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas bu de gazeux. Et franchement, là, j'en ai vraiment envie. Donc, voilà, un petit verre, ça va pas faire de mal. Hein. Tu pourras le mettre au frais. Comme ça, ça sera pour tout à l'heure après manger, un petit verre. Et puis, voilà, les amis, c'est tout ce qu'on a pris chez Lidl. Hein, il me fallait rien de spécial. Donc, demain, je vais aller rechercher du jambon. Le raisin pour Julie. Et puis, des gourmandises pour les chiens. Voilà. C'est parce que je devais aller chez Action aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas eu le temps, les amis. J'ai passé vraiment mon temps en cuisine. Hein. Et le gâteau, bah, on n'a pas encore goûté. Hein. Enfin, moi, j'ai goûté tout à l'heure quand j'ai coupé les bords. Parce que comme ça, c'est bien net. Hein. Mais franchement, je pense que j'ai un petit peu trop mis de confiture. Parce que quand après, je le roule, bah, ça sort. Donc, j'en avais un petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Et franchement, j'étais contente de moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait à rouler comme ça. Et bon, après, ma plaque, elle est nickel parce que ça colle pas, c'est du silicone, c'est trop bien. D'ailleurs, cette plaque-là, je vais m'en servir pour m'en faire les bûches de Noël. Donc, c'est parce que c'est moi qui ai la corvée des bûches de Noël. D'ailleurs, il faudra que je vais à Cerf d'Ailier pour aller chercher toute la décoration à mettre au-dessus, là, tu sais. Parce que j'ai regardé sur Temu, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Après, c'est pas grave, parce qu'on l'enlève. Mais moi, je veux un truc joli. Et comme on est invité chez Amélie, je veux quand même que ça soit le top. Donc voilà, sinon, ben voilà, j'ai passé mon temps en cuisine aujourd'hui. Hein, et puis, mon ménage, comme d'habitude. Là, ce soir, j'aurai plus qu'à faire la petite vaisselle. Parce qu'il n'y a que nous deux. Ce soir, Julie, elle est sortie. Donc, on n'est qu'à deux. Alors, en plus de ça, tu sais ce qu'elle me dit, Julie? Elle me dit, bah, maman, tu me fais ça, tu mettras mes merguez par-ci, par-là, que j'ai mis les merguez qui lui restaient dans les boulettes,
et madame sort ce soir. Bon, c'est pas grave, hein, elle finira ça demain. Hein. Et puis, alors aujourd'hui, c'était du chou rouge, normalement, avec des lardons et de la purée. Mais comme je vous ai dit, il fallait vraiment que je fasse partir les légumes. Donc, ça a été décalé. Ensuite, qu'est-ce que je devais dire aussi? Ouais, du coup, on va manger qu'à deux. Hein. Et puis, voilà. Et puis, là, franchement, la journée, on l'a pas vu passer. Hein. Toi, tu as travaillé dehors. Et le temps, il est moche, les amis. Oh, c'est brumeux, c'est... C'est novembre. C'est novembre, ouais, c'est vrai. Hein. C'est ça, il faut attendre que ça passe. Mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs jours qu'on voit pas le soleil. Hein. Et c'est déprimant. Enfin, c'est comme ça, il faut y passer, c'est tout. Hein. Donc voilà, alors moi, en plus, cet après-midi, je me suis dit, je vais me mettre un petit film... Je vais regarder la télé, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas posé mes petites fesses dans le canapé aujourd'hui. Non, non, mes petites fesses n'ont pas été dans le canapé. Hein? Tu n'aurais pas dû acheter la marque là. De quoi? Du Fiat là. Pourquoi? Il n'y a pas l'air extra. Ah bah écoute, je ne sais pas hein, moi. Mais je le prendrai chez Grand Fré alors. Ouais. J'en prendrai demain. Ils n'ont pas l'air gros hein. Bah il faut attendre que ça gonfle après hein. Mais après, t'as plusieurs boulgour. T'as plusieurs boulgour, hein. T'as du boulgour gros et t'as du boulgour normal, en fait. Pourquoi t'as pris du petit alors? Bah, c'est pas que j'ai choisi des petits, j'ai choisi. J'ai pris ce qu'il y avait à Intermarché. Tout simplement. C'est la marque Tipiak. On va voir, si on n'aime pas, bah, c'est pas grave. Moi, je le mangerai celui-là. Et puis, toi, je t'en prendrai chez Grand Fri demain, je vais y aller demain. Si je me lève pas tard. Sinon, j'aurai la flemme et je ne vais pas y aller. Où ça? À Poitiers. Ah. Donc, voilà, les amis. Alors, demain, j'ai plein de choses encore à faire. Oui, parce que c'est pas terminé. Hein. J'ai encore plein de choses de prévues. Voilà. Mais demain, il faut que je fasse un pain. Mais c'est pas pour moi. C'est pour la famille. Donc, je vais préparer ça demain matin. Comme ça, il l'aura pour dans l'après-midi. Et puis, parce que depuis le temps que je devais lui ramener, et à chaque fois, je ne le faisais pas. Donc là, demain, il faut que je le fasse. Et puis, j'ai envie de faire une fine tarte aux pommes demain. Donc, à voir. Comme j'ai des pommes, et puis il faut les faire partir aussi, parce que j'en avais pris pas mal, justement, pour faire la tarte fine aux pommes. Je suis fatiguée. Quand je cherche mes mots comme ça, je suis fatiguée. Bon, voilà les amis. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser là pour le vlog. Alors, je vous ai fait un petit passage aussi des chats de Amélie. Vous allez le voir soit avant, soit après. Je vais voir comment je vais faire le montage. Qu'est-ce qu'on m'a dit comme... commentaire, je me rappelle plus. Ah oui, on m'avait demandé justement la recette complète pour faire des chouquettes. Donc, ça sera lundi, je vous le filmerai. Et puis, je sais plus ce qu'on m'a demandé aussi. Mais de toute façon, j'ai répondu à tous les commentaires. Comme j'ai pas dormi hier soir, et ben j'en ai profité pour répondre à tous les commentaires que j'étais en retard. Donc là, je suis à jour, les amis. Je suis à jour. Et là, il faut vraiment que je fasse attention à répondre vraiment à chaque jour, quoi. Parce que sinon, après, je fais de mon mieux. Hein. Mais de toute façon, je l'ai toujours dit. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite, mais j'y répondrai. Voilà. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là pour le vlog. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Et puis que vous avez bien mangé, que vous avez profité de votre famille, malgré le temps, parce que là, le brouillard retombe, hein, et les routes sont trempées. C'est moche, quoi. Franchement, ça donne pas envie de sortir. Ça donne pas envie de sortir. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très, très, très important. Et puis, on se retrouve demain pour un prochain vlog. N'oubliez pas de liker, de mettre les petits pouces bleus, de commenter comme d'habitude les amis.
Et puis, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même 30%, 32% non abonnés. Pourquoi, les amis, vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne? N'hésitez pas, c'est gratuit. Je ne vous demande rien et YouTube encore moins. Vous avez ma parole. Donc, voilà les amis. Allez, à demain les amis. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao !